monde, c'est Paulette de Poppy Bijoux. Je suis de retour. Je vous souhaite une très bonne année. J'étais absente pendant un petit moment parce que j'avais tellement de choses à faire que j'ai laissé un peu les vidéos de côté. Et donc voilà, maintenant que tout est remis dans l'ordre, je peux recommencer mes vidéos. Donc je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous montrer comment faire ce carré. Pour les bracelets, le bracelet que je vous avais demandé en commentaire, en fait, si vous vouliez, je crois dans la vidéo, si vous vouliez que je fasse un bracelet avec ces petits carrés. Et donc, il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont demandé de faire ce bracelet. Donc, je vais déjà commencer par vous montrer comment faire ce petit carré. Donc, avec des rocailles... 2,1 mm. Si vous voulez savoir comment faire ce petit carré, continuez à regarder. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire le bracelet. Donc, pour faire ce petit carré, vous aurez besoin de rocailles de deux couleurs différentes, mais de la même taille. Donc, 11-0. Ensuite, vous aurez besoin de fil. C'est un fil, je crois qu'il s'appelle fil Nimo. Et c'est un fil en nylon aussi très résistant. Ensuite, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille fine. Donc moi, j'ai la taille 10, je crois. Donc elle est très fine et vous voyez qu'elle est courbée parce que je l'utilise très souvent pour faire. Donc voilà, prenez votre matériel et nous pouvons commencer. Donc, vous allez commencer par prendre deux rocailles dorées. Enfin, je vais appeler les rocailles dorées la couleur B et les rocailles principales de la couleur principale la couleur A. Donc, vous prenez deux rocailles de la couleur B et cinq rocailles de la couleur A. Donc vous allez avoir une série, dans chaque série vous devez avoir 5 rocailles de la couleur A et 2 rocailles de la couleur B. Donc vous faites ça 4 fois. Une fois que vous avez votre série, recomptez toujours vos rocailles au cas où vous auriez oublié ou rajouté une rocaille en trop. Vous prenez votre aiguille et vous revenez dans la première rocaille que vous avez placée. Enfin, depuis la première rocaille que vous avez placée pour former un cercle. Vous pourriez faire un nœud, mais moi je préfère pas parce que si je fais le nœud, ça va tout simplement me bloquer le trou de ma rocaille et je ne pourrai plus passer avec mon aiguille. Ce sera un peu compliqué. Ça passera, mais ça prendra un peu plus de temps. Donc, vous faites tout le tour de votre cercle pour pouvoir renforcer justement ce petit cercle. Ah, j'ai fait mon petit tour. Une fois que je suis arrivée à ce niveau-là, je passe mon aiguille dans une rocaille de la couleur B. Enfin, dans la première rocaille de la couleur B. Et je prends deux rocailles de la couleur B. Je passe directement dans la deuxième rocaille de la couleur B. Donc dans la deuxième rocaille dorée. Et là, je pose mon petit chevron. Et ensuite là, je vais faire un tissage en peyotis. Donc les rocailles sont en nombre impair. Il faut toujours prendre des rocailles en nombre impair. Et les rocailles en nombre pair ne marcheront, donc ça ne marchera pas.
Donc c'est très important pour pouvoir faire des formes en 3D. Donc je prends une rocaille de la couleur A, je saute la première rocaille de la couleur A et je passe directement dans la deuxième rocaille. Comme ceci. J'ai une vidéo de la technique du tissage en peyotis. Donc je vous mettrai les deux liens en barre d'infos, donc le tissage en peyotis pair et le tissage en peyotis impair. Je continue. Donc j'ai sauté cette rocaille et je suis passée directement dans celle-ci. Ensuite, je prends une rocaille et je vais passer directement dans ma rocaille dorée. Voilà. Et je prends deux rocailles dorées et je passe mon aiguille directement dans la deuxième rocaille dorée. Je recommence, je fais mon tissage en peyotis, donc je saute ma première rocaille brune. Vous continuez tout ceci en faisant le tissage en peyotis, le chevron, le tissage en peyotis, le chevron, jusqu'à ce que vous reveniez au début. Donc là, j'arrive à ma dernière rocaille à poser. Donc je prends ma rocaille brune de la couleur A. Je vais sauter cette rocaille et je vais passer directement en dessous de la rocaille du premier chevron. Donc je prends ma rocaille, comme je vous ai dit, je passe directement sous la rocaille du premier chevron. Comme ceci. Sans prendre de rocaille, je passe directement dans le rang du chevron au-dessus. Voilà, maintenant nous pouvons recommencer une nouvelle ligne. Donc là, nous avons notre deuxième chevron. Donc je prends deux rocailles, je passe directement dans la rocaille dorée qui est juste à côté. Donc je pose mon chevron comme ceci et je recommence mon tissage en peyotis. En prenant une rocaille de la couleur A, je passe directement dans la rocaille brune qui est juste un peu surélevée. Je prends ma rocaille de la couleur A et je comble l'espace prévu et je continue en remplissant mon espace. Je prends une rocaille de la couleur A et je passe directement dans la deuxième ligne de chevron. Je ne passe plus, je ne touche plus au premier chevron, donc je passe directement dans cette rocaille dorée du deuxième chevron. Comme ceci. Je prends mes deux rocailles dorées, donc de la couleur B. Je passe directement dans la rocaille suivante. Donc vous posez bien votre chevron. Voilà. Et vous continuez le tissage en peyotis. Donc une fois que vous revenez au début, donc là moi je vais poser ma dernière rocaille et comme tout à l'heure, nous allons passer en dessous
de la deuxième ligne de chevron. Donc, comme je vous avais dit, on ne touche plus la première ligne de chevron. Donc là, vous passez directement dans le deuxième chevron, donc la première rocaille de ce chevron-là. Voilà, ma rocaille est posée. Sans prendre de rocaille, je passe directement dans la rocaille de la couleur B qui est au-dessus. Voilà, mon carré commence bien à se former. Moi, je vais m'arrêter là, en fait, mais vous pouvez continuer si vous voulez un carré beaucoup plus épais. Donc moi, je vais fermer cette ligne, enfin ce premier carré. Je prends une rocaille de la couleur B, je ferme mon chevron, donc je vais faire une pointe sur ce chevron en passant directement dans la rocaille dorée qui est juste à côté. Comme ceci, ça fait une petite pointe. Et là, je vais refaire une ligne de peyotis. Je pose ma dernière rocaille pour fermer mon chevron et je fais la même chose sur tout le carré. Voilà, j'arrive à ma dernière rocaille. Je passe dans la ligne de troisième chevron. Donc je passe mon aiguille dans la première rocaille du troisième chevron. Je pose ma rocaille. Sans prendre de rocaille, je passe directement dans la pointe du chevron. Donc dans cette rocaille-là. Je vais passer directement dans ces trois rocailles avec mon aiguille sans prendre de rocaille. Donc, dans mes deux premières rocailles, ensuite la petite dernière. Voilà, une fois que vous vous trouvez là, vous passez votre aiguille dans, vous allez utiliser ces deux rocailles là. Donc je passe mon aiguille ici. Et je fais un retour. Donc je passe mon aiguille vers, donc je vais remettre mon aiguille dans ma direction en fait, je fais un retour. Donc comme ceci. Voilà, maintenant je suis dans la bonne position pour pouvoir continuer mon deuxième carré. Vous pouvez faire deux carrés différents et ensuite les coller. Mais moi je préfère le tisser directement sur le carré. Donc il y en a qui font deux carrés différents. Et voilà, vous faites vraiment comme vous le sentez. Donc je prends mes deux rocailles dorées pour faire ma première ligne de chevron. Je passe directement dans la rocaille qui est en face. Alors donc celle-ci. Alors avec mon petit fil, on voit pas grand-chose. Voilà. Donc comme ceci. Et là, mon chevron, il va se poser juste là. Continue, je remplis
Je vais remplir en fait ces espaces de peyotis. Il y en aura juste deux à insérer. Donc, je prends une rocaille de la couleur A. Et je comble mes espaces. Ma deuxième rocaille. Je comble mon dernier espace. Et là, au niveau du chevron, je vais poser mes deux rocailles dorées. Et je passe directement. Donc je tourne en fait mon carré pour que je sois plus à l'aise pour poser mon chevron. Voilà. Je remplis mes espaces en posant, en posant mes rocailles de la couleur A. Voilà, et là, je vais reposer un autre chevron. Donc vous faites ceci tout le long du carré en fait. Vous mettez vos deux chevrons en passant directement dans la rocaille d'en face. Et comme ça, vous aurez votre chevron. Vous remplissez les espaces. Et vous aurez posé votre première ligne pour le deuxième carré. Voilà, j'arrive à mon dernier, ma dernière rocaille à poser. Donc je rentre dans la rocaille de la couleur A. Je pose ma rocaille de la même couleur et je passe directement dans ma première ligne de chevron sans prendre de rocaille. Donc c'est le même principe que le premier carré. Voilà. Et là, je vais continuer. Je pose mon chevron, donc en prenant deux rocailles de la couleur B. Et je continue mon tissage en peyotis. Donc, je remplis les espaces. Je passe directement dans la rocaille de la couleur A, donc celle qui est un peu surélevée. Je prends une rocaille de la couleur A, je remplis mon espace. Et ainsi de suite. Donc je passe directement dans ma rocaille de la couleur B, donc de la ligne de chevron. Je pose mes deux rocailles quand vous allez poser votre dernière rocaille que voici. Vous passez dans les deux rocailles du début du chevron en fait pour pouvoir recommencer la prochaine ligne. Donc vous faites cela sur tout le tour jusqu'à ce que vous ayez atteint vos trois lignes de chevron. Une fois que vous avez vos trois chevrons, vous prenez déjà votre petit bout de fil, vous l'insérez entre les deux bandes, comme ceci. Et là, vous prenez comme tout à l'heure, vous allez fermer vos chevrons avec une rocaille de la couleur B.
Donc là, vous voyez que une fois qu'on a mis la pointe de notre chevron, vous voyez que les rocailles de chaque bande se complètent. Donc là, vous avez cette rocaille qui viendra compléter l'espace qui est juste en dessous du troisième chevron. Cette rocaille-là va combler cet espace-là. Donc maintenant, sans prendre les rocailles, nous allons fermer le carré. Donc je passe mon aiguille dans la rocaille de la bande qui est juste en face. Donc mon fil sort de ce côté. Donc la bande qui est vers moi, le troisième chevron. Et là, sur cette bande-là, je vais passer mon aiguille et faire un tissage en fait en zigzag. Donc ça va faire ceci. Ça va être des zigzags jusqu'à ce que vous fermiez votre carré. Donc là, je passe mon aiguille en face. Et directement, je rentre dans la rocaille de la bande, de la rocaille qui est en face en fait. Comme ceci. Donc si je place mon carré comme ceci, vous voyez que les rocailles se complètent. Voilà. Donc je fais comme tout à l'heure, je passe dans mes deux rocailles. Ça c'est pour aller plus vite. Si vous voulez, vous passez directement dans la rocaille d'en face, vous sortez votre aiguille et vous revenez prendre votre rocaille qui est juste en face en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer, vous voyez bien sur l'image comment tisser cette fermeture. Voilà. Donc là, je passe dans mes deux rocailles en zigzag. Comme ceci. Et voilà, vous avez le carré fermé. Et on ne voit pas du tout de démarcation. Et je continue. Voilà. Je passe directement dans mon chevron qui est en face. Celui-là n'est pas encore fermé. Donc les rocailles du carré que vous avez tissé, du dernier carré, les chevrons ne sont pas fermés en fait. Donc il faut les fermer. Donc là, je passe mon aiguille dans ce chevron-là. Et nous allons le fermer. Donc je prends une rocaille de la couleur B. Et je passe dans ce chevron là et je recommence comme tout à l'heure, je ferme mon carré en faisant mon tissage en zigzag. Voilà. Voilà, donc vous faites la même chose sur tout le tour, jusqu'à ce que le carré soit fermé, et je vous montrerai comment couper le fil, comment terminer ce petit carré.
Donc, une fois que vous avez terminé ce tissage, vous allez passer dans quelques rocailles. Donc là, moi, j'ai passé dans la pointe, dans quelques autres rocailles. Vous pouvez passer dans n'importe lesquelles, hein, tant que ça suit la direction du fil en fait. Voilà. Donc je fais ça. Et là, je vais trouver un tout petit bout de fil en dessous. Je vais faire ma boucle. Je fais ma petite boucle et je vais passer deux fois avec mon aiguille dans cette boucle, comme ceci, pour faire mon nœud. Et ensuite, je tire et je rentre dans cette même rocaille où j'ai fait mon nœud, donc à côté duquel j'ai fait mon nœud. Tout simplement pour cacher ce nœud. Et je refais un passage dans une rocaille et ensuite je coupe mon fil. Et votre carré est terminé. Donc voilà. Faites-en plusieurs pour pouvoir faire votre bracelet. Ça dépend en fait de la taille de votre poignet. Donc, et de la taille aussi des perles que nous allons placer à l'intérieur. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé de mes nouvelles vidéos. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao !